dans ma vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment bien méditer, puis on va voir aussi la même méditation, dans le fond, va être là aussi pour pouvoir s'aider à mieux dormir. Donc, deux bienfaits sur cette méditation-ci. Vous allez voir, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. C'est pour ça que c'est super le fun de faire celle-là quand on n'est pas habitué de méditer. Ça va vous permettre de vous aider à venir vous calmer. Puis à se calmer le fameux hamster. Pas de mise en garde, mais juste pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas habitué de méditer, que ce n'est pas quelque chose que c'est dans votre habitude là, de méditer, mais que vous voulez vous y mettre. C'est une très belle méditation pour commencer. Une chose que j'aimerais vous dire quand on commence à méditer, puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé quand on me le dit. Si jamais vous avez des petites pensées qui arrivent dans votre mental, le fameux petit hamster qui se met à virevolter, qui veut parler. Bon, ah, elle passe, la pensée passe. OK, correct, elle vient de passer, elle est sortie. Puis là, il y en a un autre qui arrive. Oh, et non. On n'essaie pas de la retenir, puis surtout, on ne se juge pas. Ah, je sais, moi, à chaque fois que je viens pour méditer, je suis toujours à penser, puis j'ai toujours des choses dans ma tête qui arrivent. Pensez-y pas, là. Okay? C'est pas grave, accueillez-la, la pensée, et ne jugez pas. C'est super important de ne pas se juger. La méditation que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, c'est une méditation vraiment fun à faire. Si vous avez quelques temps, quelques minutes, le minimum, ce serait, je vous dirais, 20 minutes. Ce serait là que ça irait à l'optimal, comme je pourrais vous dire. Donc là, la méditation, ça s'appelle la méditation de Yanzi ou la visualisation de la boule orange. Les couleurs en Qigong sont très importantes. Chaque couleur représente comme on sa force. Et puis ça, on le voit souvent dans différents types de médecine alternative, si je peux dire ça comme ça. Là, on a des couleurs qui viennent apaiser différents aspects dans notre corps. Puis là, ben, la boule orange, parce qu'on voit la. Vous visualisez une boule dans notre nombril qui va venir réchauffer, qui va venir nous envelopper. C'est une couleur enveloppante. Puis, plus que ça va aller, plus qu'on va visualiser notre boule grosse, grosse, et jusqu'à temps qu'elle prenne tout le devant de notre corps au complet. En visualisation, encore là. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos auparavant, la visualisation en Qigong est très importante. Donc, on va s'installer les mains sous le nombril. Je vais juste me lever un petit peu pour que vous puissiez voir ici. En dessous du nombril, on met la main ici. On met la main droite ici. En dessous du nombril, on met la main gauche par-dessus pour les femmes. Les hommes, on va aller mettre la main gauche sous le nombril et la main droite par-dessus. Et puis. Donc, comment qu'on va faire, c'est qu'on va se fermer les yeux. On va soit rester assis ou couché, tout dépendamment. Si vous voulez la faire avant de vous coucher, vous pouvez toujours aller vous étendre. Et puis, on va visualiser pendant 20 minutes la fameuse boule orange. Et puis, on va venir se calmer. On va prendre des grandes respirations pour commencer. Ça va être important pendant les 20 minutes que vous concentriez votre visualisation et votre respiration dans votre temps de tien. Où est-ce qu'on a mis les mains? Puis, ça va être important de visualiser la boule orange à cet endroit-là, puis de transporter, si je peux dire, votre respiration à cet endroit-là. OK? Ça, c'est vraiment, ça va être bien, bien important de faire ça, comme ça. On va mettre les mains au premier momentum en bas et on va prendre les grandes respirations pour commencer. Okay? Ça va être plus facile. Comme ça, on va commencer par faire une plus grande relaxation comme ça. Donc, on va prendre une grande respiration.
Et on va inspirer. On va retenir quelques secondes et on va relâcher pour quelques secondes. On va faire ça au moins trois autres fois. Donc, on en fait une, on fait une deuxième. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. On va reprendre encore d'autres respirations pour être certain que notre souffle est bien ralenti et qu'on n'est plus autant essoufflé qu'on l'était si on l'était avant. Et on va reprendre d'autres respirations juste pour se recadrer encore un petit peu plus profondément, pour s'aider. Surtout si on a de la difficulté à s'endormir ou à essayer tout au moins de se relaxer. On garde les yeux fermés. On retourne notre regard à l'intérieur de nous. Pour aller voir en bas à notre dantien. Poser notre intention là, à notre dantien. Pour se concentrer avec notre respiration. À cet endroit-là en particulier. On va commencer par faire quelques respirations en portant notre attention dans cet endroit du bas du corps. On va respirer tranquillement. Il n'y a pas de presse. C'est les pensées viennent, laissez-les venir comme ils viennent et laissez-les partir comme ils sont venus. On va commencer à respirer tranquillement pour émettre notre intention que notre respiration est en bas de notre nombril. Maintenant que notre respiration est dans le bas de notre nombril, on va commencer à visualiser la boule orange. On imagine que c'est une petite boule, toute petite boule, pour commencer. Pas très grosse. Ça pourrait être la grosseur d'une balle de tennis, pour commencer. Vraiment petite. Commence par visualiser la boule orange, la grosseur d'une balle de tennis ou encore d'une orange, mais ce sera encore mieux, vu que l'orange est orange. Va être plus facile. Portez votre attention sur cette boule orange. Cette boule orange
Dégage un peu de chaleur autour de votre nombril. Plus que ça va, plus que cette boule a grandi. Elle devient de plus en plus grande. Maintenant, elle est rendue aussi plus grosse et plus grosse. Sa circonférence atteint le bas de votre cage thoracique. On respire quelques instants à cet endroit. On retourne à notre boule orange. Maintenant, elle vient faire le tour autour de notre poitrine. Elle est de plus en plus grande. On laisse la poitrine, la grosseur, la circonférence. Elle fait tout, elle englobe tout ce qu'il y a entre le bas du nombril et la poitrine. La boule orange, elle englobe tout ça maintenant. On respire et on garde notre attention dans cet endroit-là. Maintenant, on va encore aller augmenter notre boule orange. Elle est encore beaucoup plus grosse. Et là, elle est jusqu'à notre gorge, ce qui fait qu'elle englobe tout le devant de notre corps. On respire tranquillement. Il n'y a aucun qu'une presse pour commencer à ressentir que votre corps est de plus en plus pesant. Vous êtes rendu dans une méthode de méditation encore plus profonde. Visualisez la boule orange qui fait tout le devant du corps et qui vient englober tout votre devant, du bas du nombril à la gorge et de la gorge au bas du nombril. Prenez le temps de ressentir les bienfaits de cette visualisation.
qui vous aide à relaxer, qui vous aide à méditer, qui vous aide à relaxer avant de dormir. Laissez votre souffle aller. On respire comme ça, tranquillement, encore quelques minutes. Vous pouvez soit continuer de relaxer et vous endormir dans un profond sommeil ou revenir à la réalité. Si vous revenez à la réalité, prenez le temps que ça prend pour rouvrir les yeux. Il n'y a aucune presse. Voici comment faire pour revenir à vous dans le moment présent. Vous allez maintenant transférer votre attention aux différentes parties du corps que je vais vous nommer. Et commencez à les agiter à chaque fois que je vais les nommer. Votre pied droit commence à s'activer. Votre pied gauche commence tranquillement à se réveiller et à s'activer. Votre jambe droite commence à se réveiller et à se réactiver. Votre jambe gauche commence à se réveiller et à se réactiver. Votre poignet droit commence à se réveiller. Votre main droite commence à se réveiller. Vous pouvez bouger le pouce de la main droite
L'index de la main droite, le majeur, l'annulaire ainsi que l'auriculaire de la main droite. Commencez à faire un petit mouvement de réveil. Vous pouvez commencer à bouger le bras droit ainsi que l'épaule, faire des petits mouvements de va-et-vient. Faire la même chose avec l'autre bras. On va commencer par le poignet, on va faire des petites rotations pour venir le réveiller un petit peu. On va commencer à réveiller la main gauche. Chacun des doigts de la main gauche. Pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de la main gauche. On fait aller tous les doigts pour un bon réveil en douceur. On va venir bouger notre bras gauche pour venir le détendre et venir le réveiller un petit peu. Va bouger la tête de droite à gauche. Venir la réveiller un petit peu et d'en avant en arrière. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir vos yeux tranquillement. Il n'y a aucune presse. Faites ça à votre rythme, c'est très important de le faire à notre rythme. Vous étiez rendu loin en méditation, c'est important de revenir de cet état méditatif tranquillement. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. En espérant que vous ayez aimé cette méditation qui va vous aider à apprendre à méditer, à relaxer et surtout à bien dormir.